les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour le mois de septembre 2024. Donc là, on va faire le général pour vous les lions. J'espère que vous avez passé de belles vacances. Alors, donc pour ça, on va commencer par l'énergie dominante de notre mois avec l'oracle Tao. On prendra une carte supplémentaire avec les maîtres ascensionnés. On va utiliser ensuite l'oracle Béline pour voir un petit peu au niveau prédictif. Puis le tarot de l'éternel féminin pour faire notre taroscope. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de l'oracle Inner Star. Voilà les lions, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous aider. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter et à vous abonner. Merci à toutes les personnes qui le font. Ça permet vraiment de faire perdurer la chaîne et puis ça encourage bien évidemment. Donc merci, merci infiniment. Allez les lions, c'est parti, on va voir ce que l'on a pour notre mois de septembre. Allez. J'espère que ce sera un bon mois dans l'ensemble. Allez, go les lions. C'est parti. Ah ben voilà, la carte est sortie et nous avons le progrès. Donc cette carte parle d'avancement, d'obtention de la récompense, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier et clarté accrue. Bon bah les lions, hein, très belle carte, hein. Les choses bougent, ça avance, il y a un progrès dans votre vie, voilà, en général, là comme on le voyait, il y a peut-être une situation, une relation, un projet qui avance, vous allez obtenir une forme de reconnaissance, bon, on a des gains, dans tous les cas, on a du gain ici, dans l'avancement des situations dans votre vie, donc vous voyez, c'est une énergie aussi qui est très solaire, donc c'est super. Ok, un message des maîtres ascensionnés, les lions. Très belle carte. C'est un mois de septembre qui va bouger là pour nous les lions avec, avec cette carte là, on le voit parce que 35 ça fait, c'est aussi 8 et 8 d'ailleurs c'est la force dans le tarot, en fait ça dépend des tarots, ça peut être 11 ou 8, bon généralement c'est plus 8 que 11. Bon, et la force, c'est notre énergie, donc, enfin, c'est notre carte. Donc, j'ai l'impression que les lions, on est dans notre énergie. Alors, utilisez votre magie, les lions. On a Maître Saint-Germain. Allez, on va aller voir ce que dit cette carte. Vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Cette carte représente les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès par le passé. Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. Grâce à la clarté de vos intentions, à votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Donc les lions, n'hésitez pas effectivement à utiliser un petit peu d'un pouvoir. Alors, on a chacun le nôtre. Moi, je sais que quand j'ai quelque chose à faire, je veux attirer de la chance ou une réponse positive ou autre, bah, par moment, je peux prendre dans mon sac une feuille de laurier, une feuille de sauge, vous voyez. Chacun a sa propre magie, on va dire ça comme ça, d'accord. Ça peut être une citrine, moi je sais que j'aime beaucoup la citrine, peu importe, ça peut être une prière, bon, à vous de voir les lieux. En tout cas, restez optimiste aussi pour tout et n'hésitez pas un petit peu à manipuler la loi d'attraction. Par un petit rituel. Ok ? Allez les amis, on passe maintenant au prédictif. Allez, c'est parti. Les lions. La carte de la beauté qui est sortie. Bon, bah, la beauté, ici, on a Jupiter. Donc, Jupiter va nous parler d'expansion, d'évolution, de chance aussi. On dirait qu'il y a quelque chose de bien qui se passe. Mais est-ce que les lions, vous êtes aussi dans une belle énergie, optimiste? C'est possible, les lions. Vous savez qu'on est en effet miroir. On attire à nous toute chose, finalement. Si on est pessimiste, on est négatif, on n'est pas bien, ben, on va attirer que des galères. Si on est optimiste, on croit en notre bonne étoile, en notre chance, on se fait beau, on se fait belle, etc. On attire que des belles choses. Donc les lions, voilà l'énergie déjà dans laquelle vous êtes, je pense. Confiant aussi, c'est très important, la confiance. Allez, eh ben, regardez ici, on a la nativité
Et avec ça, on a la carte de l'intelligence. Bon, ben, on a l'eau ici, hein. Effectivement, les lions, hein, là, il y a comme une nouvelle façon de penser. De ce que je vois, les lions, pour ce mois de septembre. Alors, est-ce que les derniers mois ont été un petit peu difficiles? Pour ma part, oui, assez bloquant. Hein, il n'y a que là récemment que ça commence vraiment à se débloquer. Après, bien évidemment, c'était aussi nécessaire. Hein, tout est nécessaire. Mais on dirait que voilà, de par ce nouvel état d'esprit, hein, cette nouvelle énergie, les lions, il y a des choses qui se passent, hein, dans la matière de ce que l'on voit. Il y a des choses qui se passent. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer pour les lions? Ouh, l'appui. Bon, vous voyez, l'appui et la carte des plaisirs. Bon, ben voilà, vous allez obtenir de l'aide. Alors, cet appui, ça peut être dans la matière, comme ça peut être de l'univers. En tout cas, il y a effectivement des choses qui vont vous faire plaisir. Derrière, on a la carte quand même des présents. Donc, il va y avoir des cadeaux qui tombent du ciel ou pas. Mais voilà, de belles choses. Mais ça, c'est grâce à votre énergie, encore une fois. Donc, pour les lions qui seront dans une énergie assez négative, dites-vous bien que malheureusement, cette guidance, elle n'est pas pour vous, quoi. Hein? Et par contre, pour ceux qui sont optimistes, qui voient enfin le bout du tunnel, qui y croient, qui sentent un petit peu, qui se sentent progresser déjà énergétiquement, sachez que dans votre vie, les choses vont aller aussi, hein, les lions. C'est très important. N'oubliez pas l'effet miroir, hein, vraiment. Allez, on passe maintenant au taroscope. Et puis pour ceux qui ne sauraient pas, hein, quand je vous parle de moi, c'est parce que je suis lion, hein, lion ascendant lion. Hein, donc je suis directement concernée, directement impactée, même quand c'est négatif. Hein. Allez, les lions, c'est parti. Regardez-moi ça, la roue de fortune. Qu'est-ce que... Oh, mais regardez-moi ça, le 6 de denier. Qu'est-ce qu'on voit sur le 6 de denier? Des cadeaux. C'est Mère Noël. Donc, et la roue de fortune, bah écoutez, la roue tourne pour vous les lions. Hein. Hein, il y a de la chance, il y a des retours positifs, il y a des cadeaux, il y a des récompenses, il y a de l'aide, il y a plein de choses. Hein. Écoutez les lions, hein. C'est très très beau. Hein. Allez, c'est parti. Mais n'oubliez pas, utilisez votre magie. Hein. Allez, c'est parti. Allez, les huit cartes. Alors, nous avons l'as de coupe. Ah, bah tenez, elle est là encore la carte. 6 de denier. Eh bien, regardez, les deux cartes sont là. Incroyable, qui était sortie tout à l'heure. 6 de denier, la roue de fortune. L'as de bâton. Le 4 d'épée. La déesse de terre, le 7 de bâton et le 5 d'épée. Bon, de toute manière, les lions, je vais vous dire une chose, hein, c'est votre énergie, hein, qui fera bouger les choses dans votre vie. Hein. Là, on le voit clair, net, précis. Hein. Selon l'état d'esprit, l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est ce qui va attirer des choses à vous, que ce soit des choses positives, que ce soit des choses négatives. Je pense qu'en ce moment, on a quand même un bel état d'esprit, les lions. Hein. C'est un petit peu compliqué ces derniers mois-là, peut-être depuis... Je ne sais pas, peut-être depuis mai, comme ça, avril-mai, hein, c'est un petit peu compliqué, un petit peu pessimiste, peut-être qu'on ne croyait plus en rien parce qu'il y avait des blocages, tout ça. Là, on dirait que ça va. Donc, vraiment, manifester grâce à cette énergie, les lions. Hein. Regardez, ici, oh là là, ben, les lions, voilà ce que vous attirez. Hein. Ici, avec le monde, ben, on a des accomplissements, on a de la réussite, on a des victoires. Une forme de prospérité, bon, c'est large. Hein. Ici, avec l'impératrice, on a l'abondance. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir assez, les lions, d'amour, d'argent, peu importe, pour pouvoir aussi partager avec autrui. Hein. L'impératrice, elle est dans son autosuffisance, donc elle en a même trop. Hein. Donc, c'est pour ça qu'elle est généreuse, parce qu'elle a assez pour elle, pour être généreuse envers autrui. Donc là, on a une belle réussite, un accomplissement pour vous, hein, les amis. Hein. Mais moi, je vous dirais, faites quand même attention au mental, hein, Lion. Bon, qu'avons-nous ici? En arcane majeur, bah, écoutez, on n'en a qu'un seul, hein, c'est la roue de fortune. Donc, la roue tourne, des chances. La roue de fortune, de la fortune, éventuellement, pourquoi pas. Et en plus, ces deux arcanes majeures-là, clairement, vont nous parler aussi de prospérité, hein,
possiblement, hein, de prospérité financière. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis, là, les lions avec l'impératrice, vous allez avoir assez pour vous pour pouvoir aussi partager avec autrui. Hein. Mais attention au mental, hein, le mental qui pourrait vous faire un petit peu douter de vous, vous faire vous remettre en question, je ne sais pas. Alors, on peut avoir aussi un projet ici, hein, pour certains lions qui ont un projet qui réussit, hein, un accomplissement. Peut-être un projet pour certains lions que vous préparez depuis un moment, 3 mois, 3 ans, pourquoi pas, hein. Ça peut être un projet professionnel, comme ça peut être aussi un projet d'achat quelconque, peu importe, hein, à vous de voir comment ça parle. En tout cas, ici, on a une réussite, la roue tourne, on a de la chance, de la prospérité, une forme d'évolution, d'expansion, hein, les lions, voilà. Pour certains lions, peut-être même, on peut voir ici une expansion, en lien avec l'étranger aussi, hein, pourquoi pas, ça peut être le cas. Hein. Bon, très très bien. Allez, ensuite, qu'avons-nous ici? Bon, c'est assez mélangé, on a de l'eau, de la terre, du feu et de l'air. Ok. Alors, événement important, ben, pendant ce mois. Et on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour. L'as de coupe peut être un projet qu'on aime, quelque chose qui fait très plaisir, une nouvelle relation. L'as de coupe aussi, pourquoi pas, ça peut être ça. Bon, en tout cas, moi, de ce que je vois là, les lions, c'est plutôt une ouverture de cœur et que là, enfin, au mois de novembre, au mois de ah, septembre, vous attirez vraiment ce qui vous tient à cœur. Bon, ok, et eh ben oui, c'est ça. La situation, c'est le 6 de denier. Il y a des cadeaux pour vous, les lions. Il y a la mère Noël, là, qui vient à votre rencontre. Hein. Il y a des cadeaux. Alors peut-être qu'aussi, grâce à ce cœur pur, grand ouvert, peut-être que vous avez été à un moment donné généreux, généreuse, bienveillant, bienveillante, amoureux, amoureuse, je ne sais pas. On a quelque chose comme ça. Et là, ben, il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux, les lions, qui arrivent à vous pour ce mois de septembre. Donc c'est super, hein. Vraiment, c'est très très beau, hein. Ce qui vous aide, c'est la roue de fortune. Hein. Ce qui vous aide, c'est de croire en votre chance, hein, les lions. Pour ceux qui n'avaient plus d'espoir, hein, reprenez espoir en votre chance. Nous, on est quand même un signe chanceux, hein. Ça, on le sait, ça on le dit en plus, hein, dans l'astrologie, hein. Donc ce qui vous aide, c'est ça, c'est de croire. Alors, ce qui pourrait vous aider aussi, parce que là, on a quand même la cartomancienne. Bon, ce qui pourrait vous aider aussi, ça peut être des prédictions que vous faites à vous-même, hein. Ça peut être même des prédictions en rêve ou avec les cartes, peu importe. Hein. Ou ce qui pourrait vous aider, ça peut être aussi de croire aux prédictions qu'on vous a faites. Hein. C'est possible. Bon, mais bon, la roue de fortune, on va rester sur une notion de chance, d'expansion, d'évolution. C'est vraiment d'y croire, les lions. Alors, pour une petite partie, enfin pour une petite partie, non, c'est pas pour une petite partie, mais je dis ça comme ça, mais prenez peut-être pas, enfin, après, je sais pas pourquoi je dois mâcher mes mots tout le temps comme ça. Moi, j'y crois en ce genre de choses, à la chance, au jeu. Voilà, moi j'y crois. Donc pourquoi pas, sans abuser, sans voilà, jouer des 1000 et des 100, un petit 2,50 € 3 €, c'est suffisant. On n'a pas besoin de jouer 10 000 euros pour gagner. Si on doit gagner, on gagnera, tout simplement. Et je veux plus devoir mâcher mes mots par rapport aux gens qui pourront commenter, nanani, nanana, je m'en fous. Moi, ça, c'est quelque chose en quoi je crois. Voilà. Pourquoi pas? Puisque on l'a en ce qui vous aide. Donc, pourquoi pas? Après, maintenant, c'est pas sûr pour tout le monde, mais pourquoi pas? Bon, ce qui ne vous aide pas, c'est l'as de bâton. Pourquoi on a l'as de bâton? Ce qui ne vous aide pas, hein, on va recouvrir tout de suite, hein. C'est de vous arrêter en chemin. C'est de ne pas agir. C'est d'arrêter un projet. C'est d'arrêter d'y croire. Pourquoi ça ne vous aide pas, l'as de bâton? 6 d'épée. Ah non, là, il faut maintenir. Je pense que les lions, c'est quelque chose que vous faites déjà. Hein? Là, il faut maintenir. Il faut rester sur ce fil. Parce que ça arrive, la gardienne de terre. Ça y est, la bénédiction. Le pape est là. Vous allez avoir de l'argent, les lions. Moi, je le vois là, ici. Hein? Regardez, elle.
Vous allez avoir de l'argent, les lions, hein. Mais continuez ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que là, vous avez envie de lâcher, les lions? Est-ce que vous avez envie de lâcher un projet parce qu'il ne fonctionne pas tant que ça, malgré l'énergie? Est-ce que vous avez envie je ne sais pas, à vous de voir, qu'est-ce que vous avez envie de lâcher, hein? Et là, justement, ce qui ne vous aiderait pas serait d'abandonner. Hein, et de passer à autre chose. Donc on vous dit non, 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 c'est vrai que c'est pas facile par moment, mais tenez bon les lions, parce que la prospérité arrive. Là, c'est la reine de denier. Hein, ça arrive, donc tenez bon, même si ça marche pas à tous les coups, même si pour l'instant c'est un petit peu incertain, tenez bon, croyez en votre chance. Croyez aussi, surtout, que la roue tourne. Hein. Des fois, les planètes sont pas alignées. Et malheureusement, il n'y a que des galères ou il n'y a que des échecs, voilà. Et puis d'un coup, de toute manière, les planètes, quand elles ne sont pas alignées, à un moment donné, elles s'alignent. Donc c'est pour ça qu'on vous dit persévérer. Conseil 4 d'épée, surtout, c'est ce que je vous parlais du mental tout à l'heure, surtout, reposez le mental. Hein, ça, on conseille. Faites éventuellement de la méditation pour ceux qui pensent trop. Purifiez votre intérieur, purifiez votre énergie avec de la sauge. Voilà ce qu'on vous conseille. Hein. Possibilité, la déesse de denier, la déesse de terre. On est dans les deniers. Donc, possibilité, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'ancrage, au niveau professionnel, au niveau d'un projet et au niveau financier. Maintenant, tous ces blocages ou au niveau de la santé. D'accord? Ça peut être aussi la santé qui est rétablie, les lions. Hein. D'accord? Pour certains, ça va être l'argent, pour d'autres, ça va être le pro, un projet, pour d'autres, ça va être la santé. Maintenant, les galères par lesquelles vous êtes passés, les lions, regardez comment elle est nue, vous ont permis aussi d'être authentique. Et là, en ce mois de septembre, l'univers juge que ça y est, le lion, la lionne, est authentique, vrai, mis à nu, hein, c'est dépouillé de toute négativité, égo et compagnie et compagnie. C'est bon, c'est le moment. Faut que ça paye. C'est le moment de récompenser le lion ou la lionne. Bon, et l'évolution, 7 de bâton, 5 d'épée, faudra vous battre contre votre mental. Parce que les lions, je pense aussi, ce qui vous a porté préjudice, tous ces mois-là bloquants, c'est le mental. Vous étiez peut-être trop dans le mental. Alors, quelle planète on avait dans notre signe? Faut voir. Peut-être Mercure, j'en sais rien. Faut voir. Mais l'évolution, ça va être ça. De continuer à se battre contre le mental. Parce que le mental, c'est le 5 d'épée. Hein. C'est des remises en question. C'est. Voilà, on se montre le bourrichon. Des pensées négatives. Peut-être que pour certains, vous voyez, avec la carte du vampire, vous voyez, et la sauvage, vous pensez peut-être qu'on vous fait des choses et c'est qui fait que votre vie ben, ça va pas, mais non 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 non, faut arrêter avec ça, hein. Moi, quand on parle de ça en consultation, je n'accepte pas du tout, en fait. À un moment donné, faut pas tout remettre sur ça. Ah, ma vie va pas bien, ah mais c'est parce qu'on m'a fait quelque chose. Non, c'est pas vrai, en fait. Ta vie, elle va pas bien parce que c'est ton intérieur qui va pas bien, tout simplement. Règle, soigne ton intérieur et tu vas voir que dans l'extérieur tout va aller. Hein, donc les lions, hein, faudra vraiment dans l'évolution continuer à vous battre contre ce mental qui vous porte préjudice. Hein, ces fausses croyances ou bien ces prises de tête, ces pensées négatives. Voilà les lions, en tout cas ce que j'ai pour vous. Là, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive. Regardez le progrès, hein, donc progression, avancement, obtention de la reconnaissance, donc appréciation, accomplissement, accélération, gain, clarté. Vous voyez? Mais utilisez votre magie. Et votre magie à vous, les lions, c'est votre optimisme, clairement. Hein. Donc maintenez. Là, restez sur le fil, ne tombez pas, continuez ce que vous êtes en train d'entreprendre là, hein, la funambule, hein, elle tient bon, hein, clairement, parce que ce que vous allez devenir là, incessamment sous peu, c'est la reine de denier. Et c'est la reine de denier. Donc la reine de denier, je parle pour tous les cas de figure, elle est à son compte, elle a de la prospérité financière, elle a réussi dans un projet où elle a une bonne santé. Vous voyez, c'est très large. Et ça va venir avec le pape sous forme de bénédiction, récompense.
Hein, récompense de quoi? De votre compréhension, de vos efforts. Et vous allez pouvoir garder. Regardez, ben voilà, regardez, on a le soleil qui est juste derrière. Et la lune qui est derrière le soleil. Vous laissez la lune derrière vous, vous retrouvez votre énergie solaire et vous allez pouvoir garder pour vous tous ces cadeaux. Vous allez manquer de rien, les lions. Bon, ben c'est très beau, hein. Moi j'aime bien votre guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous a parlé, les amis. On va maintenant terminer avec un petit message de l'oracle Inner Star. Hein, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, comprendre les situations, je pense que c'est très important pour moi, comprendre ce qui se passe en profondeur. On aura aussi des conseils, des prédictions, éventuellement de la clairaudience selon la formule. N'hésitez pas, les lions, vous avez en commentaire, regardez, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Encore une fois, regardez, utilisez votre magie, co-création magique. Vous savez, pour moi, les lions, la magie noire, tout ça, ça n'existe pas. C'est un pur produit de notre esprit. Si on pense qu'on nous a fait quelque chose, croyez-moi qu'on va avoir que des galères. C'est pour ça que moi, je dis, ça, c'est quelque chose que je ne crois pas. Et quand bien même c'est quelque chose qui existe, je pense que ça touche que les personnes avec des énergies très basses. Donc, si vous croyez que ça peut vous atteindre et que ça vous atteint, croyez-moi, ça vous atteint. Hein? Donc voilà, la magie, c'est nous-mêmes qui créons notre propre magie. Donc plus vous êtes positif, solaire, optimiste, plus vous allez avoir des belles choses dans votre vie, vous voyez. Bon, enfin bref, co-création magique. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais même si j'ai tort, laissez-moi dans mon délire. Hein? Je préfère être dans ce délire-là que d'être négative, pessimiste, on m'a fait ça, c'est pour ça que j'ai une sale vie. Non, je ne peux pas. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça, les lions, en tout cas en solaire, hein, je pense. Bon, allez, des choses incroyables peuvent survenir lorsque vous combinez vos dons à la force d'autres personnes. Nous avons beaucoup à apprendre des autres et réciproquement. La co-création peut donner naissance à un projet inédit que seul aucun de vous n'aurait su développer. C'est une merveilleuse façon de rester inspiré, motivé et responsable et de célébrer vos réussites ensemble. Vous pourriez aussi vous ouvrir à une collaboration avec l'univers, laisser s'exprimer les possibilités, les hasards et tisser ensemble la magie d'un ouvrage commun. Il y a une co-création magique, hein, les lions, hein, magique, soit avec une personne dans la matière, mais ce n'est pas ce que j'ai vu, soit avec l'univers. Mais c'est encore une fois, c'est grâce à vous. Voilà les lions, j'espère que cette petite guidance, elle vous a parlé. Je vous dis à bientôt, passez un bon mois de septembre. Bye!